بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام. Est-ce qu'il va nous faire je vais gaiement là, donne-moi bien. Son clair. Bon, premières affaires, je vais faire un petit retard parce que je travaille en même temps. Mais en même temps, parce que je pense qu'il y a un programme aujourd'hui dans Rabita. Alors, je ne dis pas bon qu'il nous fait un programme, surtout un programme qui est important. La PVS de la nature humaine, il y a une leçon très importante. Mon père est en suivi, mais Inch'Allah, qui m'a fait réussir à assister à sa leçon. Il faut gagner l'osseuse après. Bon, nous pas tarder aujourd'hui, nous arrivons au point numéro 4. Tout le temps, je suis content de faire une récapitulation, je suis content de réviser ce qui nous fait. Leçon N, 2, 3, leçon N, nous cause le taqwa, nous fait une cause qui est taqwa, c'est une petite chose qui met une protection entre lui avec Allah, sur punition. Ça veut dire, un dimoun n'est pas fait une action qui gagne punition Allah. Ça veut dire, ça dimoun là, il besoin apprendre qu'il y a une action qui fait gagne punition Allah. Ça veut dire qu'il est haram. En même temps, sa définition de taqwa là, sa définition de taqwa là, qui est très important, ça que frère et sœur, il apprend lui, qui veut dire qu'un dimoun, il met une barrière entre lui avec punition Allah. Il met une barrière entre lui avec punition Allah. Pour lui gagner punition Allah, il y a deux raisons principales d'un dimoun qui gagne punition Allah. Soit, il n'est pas fait quelque chose qui est obligatoire, ou bien il quitte quelque chose qui est haram. Ou bien il fait quelque chose qui est haram. C'est pour ça qu'Omar ibn Abdel Aziz, rahmatullah alayhi, s'il considère comme le cinquième califat, il dit que At-taqwa fi'lul wajibati wa tarkul munkarati. Faire quelque chose qui est obligatoire et quitte quelque chose qui est haram. Ça veut dire un djimoun pour lui rentrer dans Da'ira Muttaqin et surtout qui Jannat in préparé juste pour un Muttaqin. Mais seulement, Allah veut dire Wassari'u ila maghfirati min rabbikum surah al-Imran ila Jannatin ardu hassamawat wal ardu iddat lil Muttaqin. Jannat fin être préparé pour un qui est en taqwa. Oui, ban qui in mot sur Kaliman résivant. Écoute sa phrase bien. Un musulman qui in mot. Qui sont Kalima, il reste vivant, parce qu'il est capable, un musulman, son nom musulman, c'est ma Kalima, mot sur Kalima, un mot. Ce Kalima est cassé, pareil comme quand Jimoun fait oiseau, et il n'a pas de raison qui ce oiseau cassé. Pareil comme ça suit nous l'islam, nous Kalima la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et n'a pas d'action qui fait sa Kalima la cassé. Même les nés de la Kalima musulman, même les hafiz Quran, même les imams, même les khatib. Même les maulana, même les hafiz kitab wa sunna, même les hafiz kutub sita, ce kalima cassé. Hashim Mia dans l'en, Hashim Mia, c'est un parmi man plus féroce, qui lui peut prouver qui diman doit avec Jimoun Mo. Lui peut prouver d'après Coran avec sunna, diman doit avec Jimoun Mo. Pas parce que voici là, mais parce que diman doit avec Jimoun Mo. Et pourtant, il y a un hafiz Coran, il connaît pas 10 langages, il connaît français, il connaît anglais, il connaît sanskrit, il connaît hindi, il connaît ourdou, il connaît arabe, il connaît farsi. Allô? C'est pour ça que quand je te lis le dua, dans Namaz Janaza, un djimoun kav, l'imagine qui doit nous lire dans Namaz Janaza? Allahumma fir li hayyitina, wa mayyitina, wa shahidina, wa ghaibina. اللهم اغفر لحيتنا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبرنا وذكرنا وأنثانا ربنا من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفه توفيته منا فتوفه على الإسلام أو ومن جاء إسلام أبو نجا إيمان ومن جاء إيمان أبو نجا إسلام أبو أبو زو ديزا غفلسي نماز ينازا كي دوانو بليا.
Oui, nous pouvons faire droit pour ça, c'est mon petit mot là, mais il y a un droit important qui concerne les vivants. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de récompenses. Je note ça point là, mettez notre point. Tant qu'Allah ou bien Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran ou bien dans le Sunna met l'emphase dans faire une action, les relatifs avec quantité bénéfice qui sont insan là gagné pour réaliser raison sur l'existence, ça veut dire sur l'objectif. Et je vais répéter ça pour moi, et je vais écrire ça pour moi. Note. Tant que nous trouvons que Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu ou bien Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam peut mettre l'emphase, targhib veut dire mettre l'emphase pour emphasize, pour qui pousse manjimoun pour faire une action, les relatifs avec quantité bénéfice qui sont insan là gagné quand il fait sa action là pour réaliser sur l'objectif qui a l'un créé. C'est-à-dire, cette action-là, pour amener bien sur l'objectif. Tant que nous trouvons Allah d'un avertissement contre une action, Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam dit à une madame qui ne sortit depuis sur la case, il ne met pas au fin. Hein? Il ne met pas au fin qui est arrivé, il fait zina. Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam dit à une madame qui sortit depuis sur la case, yestashrif ou shaitan, shaitan veut dire, embellier-li. Shaitan embellier-li. Aussi longtemps qu'il y a une action, je dis note, je dis mon frère, mon soeur, note ça point là. Aussi longtemps que je trouve Allah ou bien Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam dans le Coran ou bien dans le Sunna, pour mettre l'emphase, pour pousser du monde pour faire une action, les relatifs avec bénéfices qui sont insan là pour gagner, quand il fait cette action là, numéro 1 et numéro 2, qui y a une shortcut pour faire cette insan là réalise sur l'objectif qu'Allah fin crédit. Les contraires, quand je trouve Allah peut montrer sévérité, une législation, un hukum, un ruling, une action. Par exemple, il dit shirk, kufr, nifaq, en relativité avec dégâts qu'il fait. Et l'eau, ça, insan, en premier, en même temps, sa action-là pour empêcher qu'il réalise sa raison pour qui Allah fait crédit. C'est pour ça qu'il y a un arcan ou l'islam, birr al-walidain, l'ibami man faraïd, man faraz, l'ibami man grand action. Mais seulement, il n'est pas arrivé au niveau de l'arcan ou l'islam. Parce que l'arcan ou l'islam, quand un dimoun il met en pratique une action qui finit être jugée, ruled as arcan ou l'islam, ça veut dire en relatif avec raison qui Allah fait une crédit pour lui réaliser ça. Ça veut dire, quand il fait salat, Allah, ça amène bien sûr raison pour qu'il ait une crédit. En même temps, il fait beaucoup de bénéfices au sein insan, des raisons. Et le contraire, pareil. Axe. Ça veut dire dans ça du monde là, il dit shirk, wa man yushrik billah faqad harram Allah alayhi al-jannah. Dans sura 5 verset 82. Dans sura 5 verset 76 ou bien 82. Moi je dis exactement, tu as maintenant une falsification courante là. Sura Al-Maïda verset 73. Ayo, innahu man yushrik billah faqad harram Allah alayhi al-jannah. Jannah din haram lo nou. Si un djimoun fait shirk, jannah din haram. Ça veut dire, raison qu'Allah fin crédit, tu n'as pas pour réussir réaliser si tu fais shirk. En même temps, à part qu'il n'as pas pour réussir réaliser raison qu'Allah fin crédit, toi, ça dit tout qu'il faut faire dans son insan là, parce que l'insan là, il est charru al-bariya. Il est charru al-bariya, il est plus pire que shaitan, il est plus pire que les animaux. Mais quand il est charru al-bariya, pour une exploitation de sur la terre. Pour une exploitation de l'insan sur la terre. Clair? Ça, c'est une clé, mon frère. Alors, quand j'ai ta quoi? Faire le wajiba, tel que mon karat, un insan, il vient apprendre qui quelque chose qui est obligatoire au lit pour le faire, et qui quelque chose qui est haram pour le rester avec lui. Ça, c'est le premier benchmark pour que tu rentres dans la daïra de Ban Muttaqin. Et ça, il trouve, comme il faut me dire, il trouve, ça ma'na là, il trouve dans le hadith que Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam dit, que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit hadith Qudsi. حديث كي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يجيك يا الله سبحانه وتعالى في نجيه كي الله سبحانه وتعالى لي با بلي كونتان اكشن qui est une servité, servi
pour y rapprocher avec Allah, qui est une action qui Allah fait obligatoire l'oli. Quelle est l'action obligatoire l'oli? Hadith de Sahih Bukhari. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْنَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَدْتُ عَلَيْهِ. Qui est une action qui Allah plus content qu'une servité, rapproche avec Allah, qui est une action qui Allah fait obligatoire l'oli, مِمَّا افْتَرَدْتُ عَلَيْهِ. Qui est une chose qui Allah fait obligatoire l'oli? Mais il fait des qualités qui sont obligatoires l'oli. Un obligatoire pour lui faire, un obligatoire pour lui quitter. ترك على وجه الإلزام وسفعل على وجه الإلزام وانا أصول في نسبيكي. Alors, ça dit quelque chose quand il s'aime qui les cobrait, les en ligne, les alliés avec explication que Omar bin Abdelaziz rahmatullah alayhi fin dit concernant le معنى de taqwa fait le wajib et taqwa munkarat. Ça c'est la première leçon que je explique. Nous explique faire salat al-salam wa rasulullah, mais nous explique qu'il y a une bizarre faire dua, les gens à la compréhension digne. La deuxième leçon, nous venons expliquer fitrat, la création. Nous venons expliquer fitrat Allah. Et dans les sons qu'Allah lit pas zalim, Allah subhanahu wa ta'ala rahimun bi'ibadihi, Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu qui l'infère, les fin créer insan, avant y avoir dit la terre, l'infère prend un engagement. Ce ruh, il prend un engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala, quand il est en forme de ruh, qu'il accepte Allah comme son Rab, quand il n'a pas né, il peut né avec sa acknowledgement là. Avec ça, quelque chose qui est inaccepté là. En même temps, Allah crée le fitrat salim, le fitratullah, yani ad-din al-hanif, al-tawhid, qui sont insana quand il est né, Allah met en été anti-shariha, anti-simkad, anti-plus, qui sa plus là, il reconnaît Allah comme son Rab, et il reconnaît qu'il ibadat des affaires pour Allah. Après, Allah est envoyé dans le dunya. C'est important ça, hein? Dans mon leçon plus devant, sa compréhension-là, ayat Quran sur l'Araf, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا. Alors, tu vas changer au Qiyamah, je dis, on ne pas te connaître. Ah, tu ne pas te connaître. Tu ne pas te connaître, bien, l'un de tes budgets, tu ne pas te connaître. Quand c'est un minimum, ça, le Coran, pour te pas dire, tu ne pas te connaître. Là, si tu ne pas te connaître, les lèvres qui boivent tasse la bouche. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اليوم نختم على أفواههم. سورة ياسين verset 65. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. أنت باشكوني؟ قلت لك كنت لا تبجي تباشكوني؟ Quand tu arrives à Allah, tu vois que tu connais qui? Oh, sœur, tu peux tirer tes photos, tu peux gagner tes formes d'école, tu peux gagner tes décorations, tu peux gagner tes manzines, tes embellissements, tu peux prendre, tu peux mettre ça sur Facebook, tout le monde peut s'inquiéter. Tout le monde peut s'inquiéter. Alors, tu vois que tu connais pas qu'il y a un droit à faire ça. Tu vois que tu connais qu'il y a l'un de l'autre, man croyant, vous êtes baisse, vous êtes rigole, vous êtes préserve de chasteté. Tu vois que tu connais ça. Mais au réel, quand tu vois que tu connais, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à la Coran qu'il peut faire avec nous. Allah subhanahu wa ta'ala pas pris une surprise ou zizma qui nous fait avec nous, il finit informe nous qui nous fait avec nous. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Zizma Allah subhanahu wa ta'ala quand vous pouvez discuter, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, nous sèlent sur la bouche, wa tukallimuna aydihim, je te l'amène pour causer, wa tashhadu arjuluhum, et je te l'amène pour témoigner, bima kanu yaksibun, que je t'ai obligé faire. Allez, détache sous la main, comment vous croyez, détache sous la main? Wa qalu li juludihim lima shahidtum alayna. سنة لدى سورة 36 verset 65 وقالوا لجلودهم سورة 41 سورة فصلت verset 21 وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. ألو نو لعبو بوتي ماني كما تبو سو تشيك تلعبو جي سو تشيك تلعبو أتوا pour dissocier de la peau à toi. Apporte Malaika, il écrit à même, Malaika, il écrit à même lui. Malaika va pouvoir rire, il peut noter. Il va pouvoir rire, il va pouvoir écrire, monsieur là, sur ma stade pour madame là, pour dans monsieur, ou sa papa, dans son enfant, dans papa, ou sa voisin, pour pouvoir rire. Apporte ça, la peau, ou la peau pour témoigner contre nous, nous la peau. Wa qalu jrudim lima shahidtum alayna, et là, nous bouge la peau, qui n'a pas fait témoigner contre moi. Kalou, qui la peau répond, Antakan Allahu alladhi antaka kulla shay, c'est lui, Allah qui ne fait moi causer, c'est lui qui ne fait toutes les choses causer.
Alors, ça n'est important qu'il y ait nous nés avec sa fitre. Numéro 3, on expliquait qu'il y en a deux catégories de créatures. Un, c'est qui a free will. Un, c'est qui paye la free will. Et tout le monde qui paye la free will, je tous fait salat, je obéis à Allah, je paye à Allah, je fais tasbih, je fais sisda. Pauvre aussi là-dedans, les chiens aussi là-dedans, cochon là-dedans, cochon marron là-dedans, serpent là-dedans, je tout fais sisda pour Allah subhanahu wa ta'ala, fais ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalalou, mon explique ça. Ça, il y a besoin de clair de ce cas-là. Aujourd'hui, leur point numéro 4, je ne sais pas si je vais faire une fière de notes, je vais faire des notes, je vais faire des leçons, je vais suivre, je ne sais pas comment moi, je vais faire mes efforts. Chacun fait ses efforts, quand on a une question, on a pour répondre. Est-ce qu'il nous peut prendre, moi dire, une séance d'entertainment, ça, nous écouter une explication, ou bien on a envie d'apprendre vraiment. Alors, nous avons besoin de nos notes, en plus de notes, nous écouter, et nous avons dit, nous avons un summary, ou pas qu'on gagne un summary, on gagne un seul frère sur summary, ça suit pour une seule leçon. L'objectif, c'est. Nous finissons cause de la création, nous montrer comment l'un facilite ça, insana, quand il crée lit avec sa petit puce, un petit puce. Un petit SIM code, quand à l'intérieur là-dedans, du monde n'a fini acknowledge, il est né avec ça, quand il est né avec ça, il est acknowledge Allah comme son robe, et il vient faire ibadah juste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, tu connais, Haditha qui dit à ce moment, ce papa, il fait un juif chrétien, un majus, il fait un barélu, il fait un salafi, il fait un qui fait un qui fait un. Seulement Allah in créé Hanif wa inni khalaqtu ibadi hunafa fa'atathum ash-shayatin fajtalathum 'an dinihim Allah dit wa inni khalaqtu ibadi hunafa ma fi kazut hanif pur tawhid lo tawhid reconnaître Allah reconnaître ibadat c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala simple azouji quand Allah finit créer nous avons nous le tester nous mettons l'objectif nous l'idée décider qui nous l'objectif parce qui il est plus connu. Quand on analyse le Coran, nous trouvons une des qualités de l'objectif qu'Allah a fait mettre. Un objectif qui est personnel, personnel objectif, individuel objectif, avec un lit collectif, ça veut dire un qui est jama'i, lit pour ummat, lit pour une communauté. Des qualités de l'objectif. Un objectif individuel, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون كلا بافين كريدين avec insan excepté pour une seule raison qui fait Allah fin créer nous pas à cause des raisons pas pour faire salat réponse ça est important pas pour faire salat pas pour donner zakat Allah créer nous pour nous réaliser l'esclavage pour lui en créole en arabe ça c'est تحقيق العبوديه التامه لله سبحانه وتعالى جل جلاله كان انسان لغاليز qui devine un serviteur sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui appelle un abd mukhlis lillah. Qul inni umitu an a'bud Allah mukhlis allahu d-din. Surah Zumar, Allah pidja Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qul inni umirtu ma fin yalod an a'bud Allah ma fi ibadat pour Allah, ma fin un serviteur pour Allah, mukhlis allahu d-din, un serviteur sincère pur. Wa umirtu di an akuna awal al muslim ma fin yalod pour qui ma fin parmi les premiers qui soumettent devant Allah subhanahu wa ta'ala. قل إني أعبد الله مخلصا له ديني البيجيانكو الله بيجي في محمد صلى الله عليه وسلم جيدة سورة زمر قل إني أعبد الله مخلصين مخلصا له ديني إما مفيع عبادة الله سبحانه وتعالى مخلص دمو دين فاعبدوا ما شئتم من دوني سيكسوتون في زد وين اسكلاب وسيكسوتون في ألو غيزون على نكرينو ليعبدون كي إنسان اتابلي عبادة الله لغياليز ça l'objectif là qu'elle a créé pour y réaliser ça l'objectif là ensuite Allah il connaît qu'il s'agit d'une dans une communauté alors il met un l'objectif communautaire parfois les temps où Gateman discussion sur Facebook paraît qui moi bien envie de dire majorité musulmane dans le monde pas bien encore comprendre ce que je peux expliquer là pas bien comprendre. Qui est l'objectif en tant qu'individu? Qui est l'objectif en tant qu'une communauté? En tant qu'une ummat? Qui est l'objectif en tant qu'une ummat? Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. Allah a inscrit tout à une communauté précédente. Il dit wa inna hadhihi tout ça à une communauté précédente qui m'a fait exciter là dans le Coran. Allah peut dire ummatan wahida, c'est une seule communauté. Wa ana rabbukum fa'budun. Qui est le devoir de sa communauté là?
établir ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala en tant qu'une communauté. Comment une communauté peut établir, ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala pour établir din dans sa communauté là? Parfois, quand tu dis que tu as besoin d'implémenter charia, tu dis que la guerre, tu implémentes charia. Hein? Je fais la guerre. Mais nous n'avons pas besoin de charia. Mais, quand arrive, Inch'Allah, quand arrive code de conduite, il y a ce point, il y a un point pour à ce qu'elle laisse nous cause de l'objectif, en tant que. Je vais redire une affaire là. Mais une création insane, des qualités de création, elle est free will, elle est free will. Ensuite, comment Allah crée insane là quand il a voulu de la terre, qu'il met dans lui, afin qu'il facilite lui pour lui raisonner. Ensuite, il donne l'objectif. Allah décide ça l'objectif là, pas moi. Salat, c'est pas où l'objectif dans dunia. Zakat, c'est pas l'objectif dans dunia. Mais djilbab, pas l'objectif dans dunia. Faire djihad, c'est pas où l'objectif dans dunia. Moi, ben, mentionne tout ça, man, qui te chose, pour ça, une clé de ce d'arrêt, parce que t'as rien à vous trouver, comment, man, djimoun, il fait, man, wasa'il, vin ahdaf. Je vais faire, man, moyen, vin l'objectif. L'objectif, il est un seul dans le Coran. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون en tant qu'un individuel. En tant qu'un surah 51 verset 56 et dans surah 43 verset 36, dans surah 42 verset 11, Allah montre nous qui dévoie en le man anbiya alayhi salam que umma base community base and community base objective. Allah dit شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى الله بجي شرع لكم من الدين الله فين institue un دين pour eux une façon de vie pour eux un دين c'est un mode de vie l'islam c'est un mode de vie c'est pas une religion un islam c'est un mode de vie il contrôle ou manger ou boire ou linge et ça contrôle là plus tard nous pourrait dire c'est bénéfice insensé c'est pas dictature de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala na'udhu billah min dhalik c'est pas pour montrer communisme, c'est pas pour montrer pouvoir Allah qui a l'invasion, non, c'est pour bénéfice insan. Ça, ben, notre petit temps pour expliquer. Là, pour le moment, moi, l'objectif individuel, 51-56, sur la 51-56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et si un insan, écoute bien, note, mettez une note, écris une note, en gros, mettez des points. Un djimoun qui se l'attire, pas pour ça l'objectif, ça, c'est un djimoun qui va faire shirk akbar. Notez, un djimoun qui dépend de sa ayat Coran comme seul objectif dans Dunia, c'est un djimoun qui fait shirk akbar dans les sons tawhid, akida, après ça, ashirku finniya. Après ça, qu'est-ce que c'est? Ashirku finniya. Quand il y a l'intention, on ne peut pas dire imam là, il y a à cause du monde. Ça, c'est une intention. On a une explication qui appelle l'intention. Comme je donne ça de l'île la fois passée, il y a les sons de l'intention. Quand il cause l'intention, quand il cause un shirk au fin niya, mon shirk qui peut écouter moi, mais mon zélé qui peut écouter moi, et un shirk appelle un shirk au fin niya, il parmi mon shirk akbar, mon grand shirk veut dire qu'un djimoun fait ça action, ils sont dit en dehors de l'islam. Qui a le Coran qui a l'un donné là-dedans? Qui a le Coran qui m'a l'ulama donné là-dedans? Man kana yuridu l'hayat al-dunya wa zinataha, nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Hein? Surah Hud. Hein? Surah Yunus. Là. Aïe. Surah Hud. Verset 15-16. Ban qui parle son aqida. Il y a un shirk akbar et un shirk asghar. Il y a deux qualités de shirk. Un shirk qui tient du monde en dehors de l'islam. Un shirk qui ne tient pas en dehors de l'islam. Et ce shirk qui ne tient pas en dehors de l'islam, là, ce niveau de ruling, le plus faux qu'un akbar ou le munkara. Le plus beau qui man. Ban akbar ou le chusmo. Comment on appelle ça? Un shirk asghar
ce degré de gravité des plus purs qui ban plus grand haram de ban haram. Akbarul kaba'ir, moi le dire. Al shirk al asghar, c'est shirk les plus graves qui akbarul kaba'ir, ban plus grand péché de ban grand péché comme zina, qatlun nafs, aqal walidain, ukhuqul walidain, shirk asghar, ce degré plus faux qui plus grand péché de ban péché. Shirk asghar. Et shirk akbar, quand tu veux faire grand shirk, il sorti en dehors de l'islam. Parmi mon action qui est considérée comme shirk akbar, comme un ulama, il fait une chose qui s'appelle istiqra. Istiqra. Un ulama, quand je lis mon nusus, kitab ou sunna, je tiens une explication qui dit que dans shirk, il y a un shirk qui est grand et un shirk qui est petit, basé sur mon explication qui passe sur l'IASTIRA. Alors, un djimoun qui n'a pas fait une fête, sa ayat Quran 51, 56, vient sur l'objectif dans dunya, c'est un djimoun qui fait shirk akbar, il fait une fête grand shirk, il sort en dehors de l'islam, s'il n'a pas fait taouba. Dis-moi, pas comme un musulman. Dalil, le verset de Dalil, surah 11, verset 15-16. Allah dit, « Man kan yuridu l'hayat al-dunya wa zinataha, nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasoun. » C'est lui qui peut Man kan yuridu l'hayat, il peut hayat al-dunya, il peut la vie de ce monde. De ce monde. « Wa zinataha » est son embellissement. « Nuwaffi ilayhim a'malahum fiha » Lui donne ce qu'il peut redire. وهم فيها لا يبخسون الا بابو جيمي ان جيمي ني نوي اسكي دي سيبي غودي بايك ما كان يريد حرث الدنيا نزيد له في حرثي من كان يريد حرث الاخره نزيد له في من كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها من كان يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن كان يريد ثواب الاخره نؤتيه منها سيدي بغو الدنيا ندني دنيا سيدي بغو الاخره ندني اخره الو لوبجيكتيف سا لي سونا امبورتون سينو اريت لا ميم لي سوفي كي Un insan, sur l'objectif dans dunya, c'est pour réaliser sa ayat Coran qui appelle وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ qui Allah pas fin créer nous, excepté pour nous faire ibadat pour lui. Qui veut dire faire ibadat pour lui là? Qui veut dire ça? Qui veut dire ça? Faire ibadat pour lui là? Ça veut dire قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي Surah 6, Surah Ma'ida. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Surah 6, verset 163. En vérité, mon salat, mon sacrifice, mon lavik, mon amour, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Connais. Ben frère, ceux qui dans management, un peu administratif, tout frère Sidique, puis qu'est-ce que moi là? Ben là, j'ai connu l'objectif administratif, vous mettez ça devant la table comme c'est, vous êtes guetté tous les jours, guetté, vous êtes pour réaliser tel KPI, telle performance, vous êtes fait telles affaires, vous êtes mettre au plan devant où, vous écrivez, vous vivez une docteur, vous écrivez docteur, devant tous les jours, tout, vous écrivez docteur. Moi, je dis, vous écrivez ça, quand on a collé dans la salati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati, Allah, Rabbil Alamin, vous mettez ça devant nous, qui. Nous salat pour Allah, nous sacrifice pour Allah, ibadat qui est la raison. Nous souk, ibadat, badani, qawl, ou jasad, salat, wa mahyaya, molavi, molamo pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah nous fait nous, parce que nous enseignons nous pour dire bismik Allahumma amoutu wa ahya tous les jours avant d'aller dormir, lié qui au nom d'Allah, mouvir, mou. Ouais, malaka, vous êtes à mentir, kazab de mentir. Malaka, vous êtes à mentir pour écrire, parce que mentir tous les jours avant d'aller dormir, cause mentir, c'est la vie, c'est l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Moi, si ce qu'elle est, je peux redire, je peux dire de tous les sons, je peux trouver une affaire, je ne peux pas accepter comment une madame qui, soi-disant, ne peut pratiquer ce dîme, ne prend ce photo, ne peut ça, exhibit lui dans Facebook. Moi, je ne peux pas comprendre ça. Moi, je ne peux pas capable de mettre ça dans mon tête, je ne peux pas comprendre. Quand son mari, quand son monsieur, quand son garçon, quand son frère, comment est-ce qu'une madame est exposée dans Facebook? Je ne peux pas comprendre ça. Moi, je ne peux pas comprendre. Moi, je ne peux pas comprendre ça. Ça peut fatiguer mon tête. Je ne peux pas comprendre qui est-ce qu'il nous donne ce droit-là. Je ne peux pas ce qui est dans dîme. Je ne peux pas ce qui est pas dans dîme. Clair pour l'objectif, mon frère, monsieur, est-ce qu'il est clair? Modern Jimoun, réponds-moi là. N'est pas un frère, réponds-moi bien sûr. Il y a des qualités, l'objectif, Allah nous mettait dans le Kitab Sunna. Un objectif individuel avec un objectif qui collectif, communautaire. Ce qui individuel, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ لَا يَعْبُدُونَ Allah n'a pas fait une crédine avec l'insan, excepté pour établir l'ibadat. Et un objectif
communautaire parce qu'un insan il n'a pas pour, si vous tirez poisson dans de l'eau ou mettez les poisson tirez les dans de l'eau ou mettez les dans du sable les poumons il va pas capable parce qu'il est nature il a une caractéristique insan à l'incrédit d'une façon il met même caractéristique qui est visible et invisible dans lui. Et pour ça, il est capable de vivre, pour réaliser raison sur l'existence, il est besoin de vivre dans une communauté. Et sa communauté-là, elle met un objectif pour lui, qu'il est besoin de faire, en Aqimu ad-Din, Surah 42, verset 11. Right? C'est clair? Il y a une petite question, mon frère, ma soeur? Pour l'objectif? M'aurait dit, est-ce qu'il fait salat, c'est nous l'objectif dans la terre? Est-ce qu'il mange halal, nous l'objectif de la terre? Est-ce qu'il fait sadaqa, c'est l'objectif de la terre? Est-ce qu'il fait umra, c'est nous l'objectif de la terre? Est-ce qu'il met djilbab, c'est nous l'objectif de la terre? Allah crée nous pour nous mettre djilbab? Il y a un courant dit Allah crée nous mettre djilbab? Ou ça, ça c'est pas une code de conduite? Hein? Qu'est-ce que je veux dire? Un frère, réponds-moi. C'est ma code de conduite, ça? C'est ma rules, ma douze, ma don, ça? Ou bien c'est l'objectif, ça? C'est pour ça que mon autre explication appelle l'objectif et les moyens. Un autre appelle la compréhension et l'objectif. On peut expliquer après ça. Tout ça là pour venir dans ma leçon. Ça clair, c'est clair. Nous, l'objectif est clair. Nos créations sont claires. Tout clair, mon frère, mon soeur. On ne peut pas arrêter là parce que mon design fini arrive tard. Nous ne commençons pas. Je demande des excuses parce qu'ils m'ont bloqué le travail. Mais je tiens à l'intention aussi pour tarder 15-20 minutes. Mais pas ça quand c'est le retard que je fais là. C'est à cause du travail. Parce qu'ils kiffent, parce qu'ils tiennent à causer dans l'habitat. Je n'ai pas envie qu'ils soient ensemble. Je connais un frère à se faire rentrer. Alors, je vais arrêter le point numéro 4 aujourd'hui. Quand nous finissons d'expliquer qu'il y en a deux qui ont été l'objectif. Un objectif qui est individuel, un objectif qui est collectif. L'objectif individuel, établir l'ibadat pour Allah. En tant qu'une communauté aussi, il faut établir. Il a besoin d'établir l'ibadat pour Allah. Comment il peut établir l'ibadat pour Allah? Pour établir digne de sa communauté. Mon frère peut discuter, Mon demandement, c'est mon petit pose, moi, une question. Est-ce qu'il va un frère? Si tu comprends qu'il vient de parlement, si tu comprends qu'il vient de parlement, qui nous peut dire nous nous représenter dans le parlement, ou ça nous peut envie de faire partie de la décision qu'il prend dans sa pays? Là. Tout ça là, en temps, en lieu, Inch'Allah, pour venir. Préparer qui m'en frère, mon corps pas trop comprend qu'appelle politique nationale, internationale. Azodi, quoi, ça? Un slip out, une sortie. Bush officiellement, puis dire, moi, mon al dans l'Irak pour prendre autre argent. Bush vient officiellement, dis-je, comme ça. Un imam, lui, grand imam dans le monde, hein? Lui, il peut dire, comme ça. Il peut dire, l'Arabie et que l'Amérique peut diriger le monde vers la paix. Bush lui que sur la bouche, il veut voilà tu arrives à ne pas filer ni le coul. Allah dit man parole pour saper de votre bouche, tu comprends ce que je veux dire? Moi, mon aldeïr a couvert cette l'argent. Il dit comme ça pour me prendre cette l'argent, ce pétrole et me porter à Saint-Pierre quand on était et tout. Strange ça. Et vous connaissez quand c'est cassé une dépensée pour ça man la guerre à cause de raison. Ça veut dire man frère qui peut la guerre là-bas. Ils ont réussi par Pierre Michon Allah, même si on l'a guerre, on se donne toujours après nous pour ça, mais c'est moi qui ai réussi en paix, réaliser ça, c'est l'objectif qui m'a mis la guerre en nous là. Incroyable ça! Incroyable, un président d'un pays dit moi, mon aller dans l'Irak pour prendre ce pétrole. Il m'a dit ça, il nous a pu passer comme ça. Passé, on dit, pas tout, on dit, ça peut faire un dodjab, et ça, on a fait un dodjab, on dit, un bug in mode dans Cannes, si pas, un tif in mode dans Cannes, ça commence à être dodjab, puis aller dans le News Paris, ça fait privé de Ndimoun, nous peut piler ici, président de l'Amérique, peut venir dire officiellement, papa, nous-mêmes, nous plus grands alliés, ça, hein, Ban Kilo, bon Manhattan, nous plus grands alliés, peut venir dire officiellement, moi, mon rentre dans l'Irak pour prendre le pétrole. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Bon, l'objectif en tant qu'individuel, l'objectif en tant qu'une communauté, à l'Indien dans la 42 verset 11, afin qu'il nous établisse digne Allah de la terre.
هرز من جيون كل يعيد قرآن جه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله على فينا وين دين بوكي بريفالو لا تيه ما جاب بريفالو ولا نتو بولا جا كونت شريعة نتو بولا جا بابا مت دين دانو لا كاس نبابا مت دين دانو كوميونتي نبابا أمبس لو بيان نبابا أودن لو أودن لو بيان أمبس لو مال après un seul coup دين بريفالو ما جاب مهدي فيني مهدي بوفير ماسيك يبو تسكو باتو 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 بوين دوات نو زامي زامي Mahdi, pour arriver le Mahdi avec Isa alayhi salam, il n'a pas travaillé qui peut travailler sur ce terrain. Et pour arriver à Dajjal, il n'a pas travaillé qui peut travailler. Choisir au camp. Au camp, permets-nous vers Dajjal, pour venir man supporter Dajjal, ou bien au camp, permets-nous vers Isa alayhi salam, man qui peut amplement dire Allah, le latir, Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il y prévaloir. Vous avez choisi au camp, Selen. Ok? Moi qui dis, bi'idnillah, sa wajal, semaine prochaine, Inch'Allah, nous pas pour t'aider, 9h30, Inch'Allah, nous pour expliquer. Le modèle, quand il finit, qui qualité facile, il crée une insane. Il finit créer une insane. À l'intérieur, il met lui, il met des petites affaires, des petites électroniques en dedans pour lui reconnaître Allah comme son Rab. Il met un objectif pour lui. Ensuite, il envoie un modèle à Stir. Nous, quand on met le modèle là, numéro 6, il envoie code de conduite numéro 5. Il envoie un livre pour lui montrer sa insane, comment pour arriver vers cet objectif. En plus, il envoie un modèle, mettre sa livre en pratique. En plus, il servit man cobaye, man dimoun, qui est plus pire de insan dans dunia, je ne pire de sifat insan, il servit comme cobaye pour faire first implementation. Quand il appelle first implementation of Quran, il fait le man plus pire des gens sous nubuwat, sous instruction de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sous modèle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sous clarification de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sous teaching de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sous guidance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ensuite Banamin radiallahu anhum. Clair, Inch'Allah. Vous avez une semaine prochaine, si bien qu'il y a une question, vous avez une 2-3 minutes. On parle tout de temps, Dieu. Est-ce qu'il est clair? L'objectif est clair? Pas oublié? Nous avons fait nous l'objectif, vins ça l'objectif là. Si nous pas fait ça, vins nous l'objectif, nous nous rassimons. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. Et compréhension, ça réalise ibadat pour Allah là, il trouve dans sourate 6, dans sourate An'am verset 162, quand Allah dit qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, qui mo salat, mo sacrifice. Mon avis, mon amour, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. S'il n'est pas c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est shirk akbar qui est dans surah 11, verset 14, verset 15. Inch'Allah, je vais expliquer. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi. J'ai besoin de share maximum, C'est moi, j'ai besoin d'être le sur numéro 1, numéro 2, numéro 3. J'ai besoin avec cette notes et j'ai besoin de prendre notes comme on peut expliquer pour vous faire un link entre les sonnats qui fait une classe à les sonnats comme ça. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.